Je m'appelle Nicolas, j'ai 11 ans et j'ai 5 minutes pour vous raconter ma plus belle histoire. Celle de mon premier amour. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça a commencé sur un passage piéton. Salut! Hey, tu m'entends? Oui, salut! Clara, c'est la nouvelle de la classe. Elle est belle. C'est bizarre qu'elle s'adresse à moi. C'est bizarre parce que, à partir de ce moment, j'ai pas arrêté de penser à elle. Je me suis même mis à la dessiner. Je pensais à elle tout le temps. Oh, le célibataire de la classe! Celle-là, elle se moque toujours de tout le monde. C'est pas leurs affaires. Clara, elle aime les origamis, les chuchotements et faire des dessins avec ses petits pois. Par contre, elle déteste les réseaux sociaux, les disputes et les gens qui font tout le temps claquer leur stylo 4 couleurs. Oh, mais il y a Nicolas! Bah, coucou Nicolas, ça va? Arrêtez, regardez pas! C'est un dessin de Clara! Oui. Oh, mais c'est que t'es douée, dis donc! Vraiment très douée, faut fêter ça! Tu sortiras jamais avec elle, never! Bon, tu l'embrasseras de notre part! Bisous, bisous, bisous! Non, mais pourquoi tu me fais pas? Il dessine tellement bien! Pour une fois que je me trouve belle! Il est si différent. Hey, Isabelle ! Oh, Inès, tu te souviens de ce dessin quand même ? Oui, c'est celui que j'ai déchiré, là, de Nicolas. Ah oui, c'est vrai. Tellement moche. Oh, ça devrait coller entre toi et Nicolas. Ça colle. Mais vous pouvez pas nous laisser tranquille. En fait, j'ai compris, vous êtes juste jalouse, bande de gamines. De toute façon, ça sera jamais avec, hein. Donc, jamais. Never, on va croire quoi, elle. Des autres et de juger tout le monde. Ah, au fait, j'espère que vous avez du scotch. Mais c'est malade! Il a tout déchiré! Alors, si je peux vous donner un conseil, il faut juste rester vous-même, écouter votre cœur et affirmer votre différence. Never! C'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse d'elle.